Encore une fois, mesdames et messieurs, une course très intéressante ce soir chez les dames paranageuses dans les corridors centraux. Corridors numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tous des nageuses de catégorie S14. Christy Casco dans le corridor numéro 5. C'est elle qui détient le record canadien dans cette catégorie 2,25.40. Elle a déjà été nominée pour son standard au 100 dos qu'elle a réalisé déjà. Jenna Murphy dans le corridor numéro 4, également déjà nominée au 100 dos, et Justine Morier dans le corridor numéro 3, tout comme les deux autres, a été nominée au 100 mètres d'eau. Good race so far in the middle of the pool, lane 4. Jenna Murphy from Island Swimming, 5. Foothill Stingrays, Christy Casco. Casco and Murphy both already nominated to the London 2012 Paralympic team in the 100 backstroke, and were both members of the 2011 Pan Am Games team. Casco holds the Canadian record for the S14 200 freestyle at 225.40. Première position après la moitié de la course de compléter dans le corridor numéro 5, c'est Casco en deuxième position, 1:09.67 dans le corridor numéro 4. Jenna Murphy est en troisième position, 1:14.63 pour Justine Morier dans le corridor numéro 3. Keep an eye on the time, that Canadian record, 225.40, as they've got just over 50 meters to go. We've had some great races so far here tonight. And with 50 to go at 146.53 is Casco in lane 5, ahead of Murphy in 4 at 147.83. Mesdames et messieurs, alors qu'il reste moins de 50 mètres à compléter, Christy Casco dans le corridor numéro 5, toujours en avance sur Jenna Murphy. 25 mètres à parcourir, je rappelle le record canadien qui est détenu par Christy Casco, 2:25.40. 15 mètres à parcourir encore, voyons voir si ce sera sous la barre du record canadien, alors qu'il reste maintenant 5 mètres à parcourir pour Christy Casco, qui visiblement inscrira une nouvelle marque personnelle, 2:25.35, tout juste sous la marque du record canadien. 2:25.80 en deuxième position pour Jenna Murphy. Et en troisième position dans le corridor numéro 3, 2:36.49 pour Justine Morier. Alors, nouveau record canadien pour Christy Casco. Christy Casco sets a new Canadian record there from the Foothill Swim Club in a time of 2:25.35 under the old record of 2:25.40. Mesdames et messieurs, dans les estrades, j'aimerais vous entendre encourager dans le corridor numéro 1, Valérie Drapeau de BMAX. Il terminera son 200 mètres libre ce matin. Elle a réalisé une performance de 4:38.35. Lane 1, Valérie Drapeau in the S5 classification here in the 200 freestyle. Just over 25 meters to go for Drapeau in lane 1. Mètres à faire pour Valérie Drapeau. Un peu d'encouragement, s'il vous plaît. Je rappelle sa performance de ce matin, 4:38.35. Voyons voir si ce sera plus rapide ce soir, alors qu'il reste deux coups de bras à parcourir. Et elle touchera le mur en 4:41.90.